Ndio maana walimaliza na tango leo hii biko banahangaika nafasi ya kulima. Ndio waweze kushughulika na kifo. Mbute. Kikalega moyi, tube mulango rumoyi, lokubula bune balume beshe bubuno. Tukateke no kikai kitu, bwa butwa ba zamani lengo. Alors, c'est parmi les interdits pour protéger l'environnement et pour faire la conservation. Partout sur notre bonne vieille planète, des peuples vivent dans la nature. Ils vivent surtout de la nature et par la nature. Ils utilisent la diversité biologique pour leur subsistance. Ils la perçoivent comme essentielle à leur vie et la respectent à travers les générations. Les connaissances de ces peuples, leurs pratiques, leurs valeurs spirituelles et matérielles, en fait, leur mode de vie tout entier, sont les fruits d'adaptations millénaires à une nature généreuse qu'ils ont su conserver avec intelligence. En Afrique centrale, berceau d'un des plus grands massifs forestiers du globe, la diversité des peuples a créé une richesse culturelle aujourd'hui menacée par la globalisation, le modernisme et l'exploitation généralisée des ressources naturelles. La République démocratique du Congo, grande comme 3,5 fois la France, abrite plus de 60% des forêts denses d'Afrique centrale et on y parle près d'un quart des 1000 langues et dialectes africains. Au cours d'un périple à travers le pays, nous nous sommes rendus dans 3 paysages bioculturels différents. Le paysage des forêts inondables, celui des forêts non inondables et celui des forêts de transition. Nous partons dans l'est, dans la partie sud de la province Nord-Kivu, là où le binôme richesse naturelle et conflits armés fait parmi le plus gros score de tués au monde. C'est également un lieu privilégié d'un autre binôme, celui de la densité forestière et du nombre de groupes autochtones pygmées résidents. Sur le territoire de Walikale, 4 forêts ancestrales appartiennent au groupe des pygmées Bambuti Babuloko. Ces derniers recherchent activement une reconnaissance officielle et légale de leurs droits sur ces espaces de vie qui totalisent plus de 50 000 hectares. Il s'agit des forêts de Busisi, de Lufito, de Kissa et de Kambushi. Mais entrons dans ces forêts. L'enclavement des villages Bambuti Babuloko est extrême. N'espérez même pas y aller en vélo, encore moins à moto. 3 heures de marche dans ces conditions et plusieurs fois par semaine auraient raison de n'importe lequel d'entre nous, pas des habitants de ces villages. Et que dire des conditions de déplacement des personnes âgées ou de l'évacuation des malades? Vivre dans ces conditions d'éloignement n'est plus acceptable au XXIe siècle. Mais qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour les peuples autochtones pygmées? Tate, nasana nyemu likuwa kwa vijana. Pori kwa kaa, hein? Ndani ya poli, sheni bazaliwa ba poli. Poli njo siri yetu sheba mbute. Sawa vile leo unazalika huko mbute, na yafua uyue siri ya kwenu. Poli tulikuwa tunafanya poli, ilikuwa ni makao yetu. Njo maisha yetu yote ya poli. Tulikuwa tunaikala mpoli, kazi tulikuwa tunafanya sababu poli njo mungini yetu. Kazi gani mkwaka nafanya ndani ya pori? Sa tulikuwa wa vijana, tulikuwa tunakula mambeku ya miti, tunafanya vitu gani vingine, na manyama na vitu yoyote na bilulu na makuku na mandege bilikuwa ndani ya pori. Tulikuwa na kafashi kamoya kenye tulikuwa tunalimia. Sababu pori njo kawaida yetu sheba mbute. Tate mkwaka munakula nini ndani ya pori? Ndani ya poli, shunaona sawa hivi miti iko hii. Kuile miti kuko yenyewe natosha mbegu, kuko yenyewe natosha mafrere mbalimbali, na ile ndio chakula yenyewe tulikuwa tunakula. Na tuliishi sadi suri sababu mule ndio mwingine yetu na ndio mashamba yetu. Tunakula vidudu, tunakula
mapondo kumai, samaki kumai, na njoo maisha tulikuwa tunaishi nayo. Na uchungaji yetu ya kuchunga vile vyenye maekonomi tulikuwa tunaacha mule mupoli, njui naacha na nye munaweza kujua sema kumbi nyama fulani njoi, muti fulani musoke hii, hii musoke nikaikata, ndani yake kuko ile mizizi yake wakati. Unaona sawa vile mampeti, hii ya mukombi mumbalu. Inaanguka, mule njoi tunakula hiko sorte ya ndizi. Laissons le grand-père expliquer aux enfants tout cela et partons en forêt découvrir la réalité des choses. De nombreux volontaires se sont alignés pour aller avec nous recueillir en forêt les preuves de son utilité pour eux. Nous marchons vite et nous atteignons les limites de la forêt de Kissa, ici matérialisée par une rivière aux abords luxuriants et que les marcheurs se font une joie de franchir en criant le nom de leur apak, Kissimbosa, qui signifie « espace de vie fécond ». Avant d'entrer en profondeur dans la forêt, nous allons faire quelques haltes dans des petits villages qui permettent de prendre toute la mesure de l'abandon de ces populations, notamment au niveau de ce que certains osent appeler école. Dans cette école, les gens étudient dans une mauvaise condition, mais il faut sortir des diplômes ici. Cette année, on a eu des diplômés. Parmi nos enfants, il y a un garçon parmi les pygmées et une fille à côté de Nyanga. Ça, c'est l'école des pygmées ici à Kissa. Nous avons ici 6 classes. Et nous avons des enseignants pygmées. Moi aussi, comme responsable, je suis aussi un pygmée, des Babouloukou Kissa. Et ici, nous avons au moins 250 élèves. Il y a aussi un peu des enfants de Kilal qui viennent étudier ici, qui piétinent, c'est 30 km. Donc, dans le matin, ils piétinent 15 km et retournent encore 15. 30 km par jour pour aller et revenir de l'école. Qui oserait dire alors que les populations autochtones ne veulent pas se développer? Nous voilà maintenant en pleine forêt pour découvrir ces merveilles. Mulikuwa Mboko. Mulikuwa nguruwe, mulikuwa makako, mulikuwa ngira, mulikuwa sokomutu, mulikuwa mbuluku, mulikuwa mubale, mulikuwa kachimba, mulikuwa njiko. Nous avons en tête tout ce qu'a dit le grand-père, mais bien d'autres découvertes nous attendent, comme la fabrication des habits en fibres végétales, avant l'arrivée du coton et des tissus. Ça, c'est l'arbre Mokesankingi. On prend cet arbre, on le coupe. Après avoir coupé, le morceau là, qu'on va former en sorte du marteau. Alors, on prend l'écorce de l'arbre qu'on a vu là-bas. Mm-hmm. Hein? On met maintenant l'écorce sur un tronc d'arbre. Mm-hmm. Et on prend maintenant le marteau traditionnel, on commence à battre très fort, fortement encore, l'écorce. Et maintes reprises, l'écorce va s'épanouir peu à peu, et ça donne quand même une qualité d'étoffe. C'est ce qu'on s'est dit auparavant. D'autres arbres servent à se nourrir, et à très bien se nourrir. Les rivières sont bien entendu tout aussi vitales que la forêt, la pêche étant une activité importante des Bambouti Babouloukou. Mais elles servent aussi de chemin d'accès et de voies de déplacement aisées pour les longues distances et les lourdes charges à transporter. L'eau potable est disponible pour celui qui sait la trouver. Certaines lianes délivrent une eau qui soigne les yeux. Des racines soignent les maux de ventre. La sève de certains arbres permettent même de confectionner différents objets, comme ce bracelet, une balle pour jouer, etc. Et voilà! On trouve aussi de la sève qui sert de colle. Aussi de multiples types d'écorces et de peaux de végétaux pour des usages très variés. Mais aussi des produits de décoration, sans oublier de quoi s'éclairer la nuit. Kama huko kule kumungini, unaonaka hii muti, unajua kama pale njo juu ya chankuba. Hii inaonesha, inamaanisha kama tunafika juu ya mulima ya chankuba. Au site sacré, voilà ce que nous attendions depuis longtemps. Les lieux de la forêt qui accueillent les rituels mettent en jeu des éléments naturels tout aussi importants et indispensables que la nourriture, les soins et toutes les utilités qu'elles procurent,
Explication. Les lieux de cérémonie, comme celui de Tchankouba, sont connus de toute la communauté, mais sont quasi invisibles aux yeux extérieurs. Bien plus que des espaces et éléments naturels, ces sommets, arbres géants, grottes magiques et autres ravins vertigineux sont autant de symboles culturels indissociables du quotidien des autochtones pygmées babous locaux. On l'a compris, cette montagne appartient aux descendants de Malonga. Il y a une deuxième montagne, juste à côté, appelée Machungro, qui appartient aux descendants de Mukumo, le frère de Malonga, et qui a aussi son lieu sacré au sommet. Mukumo explique toutes les utilités de la plante Malonga. Il explique aussi que les deux frères, l'ancêtre Mukumo et l'ancêtre Malonga, vivaient ensemble et partageaient beaucoup leurs idées. C'est moins le cas maintenant entre les deux familles. Et Mukumo en appelle à plus de solidarité entre communautés, comme si c'était une des clés de survie des peuples autochtones babouloko. Le grand-père explique l'imitation pour les habits, pour les champs, l'école. Il compare les enfants à la souche de la forêt et leur dit d'aller dans les deux écoles, pygmée et moderne. Il leur explique que l'étranger est devenu chef en deux jours, car le pygmée n'a pas envie d'être chef, que l'État est venu écraser les lois pygmées par les siennes. Parmi ces lois, il y avait beaucoup de pratiques et d'interdits dans la forêt, sur la chasse, sur la pêche, la cueillette, etc., qui permettaient de vivre en harmonie avec tous les êtres de la forêt. Mais les Bantous ont apporté des changements, comme passer du prélèvement vital à l'exploitation commerciale. Alors que l'enfant boit littéralement les paroles du grand-père, laissons un autre sage nous expliquer cela à sa manière. Il s'agit de Aluta, un homme qui veille sur la communauté de Lufito. Aishimukire
butwa mwele shaka lino jango butwa mwele shaka bunguru butwa mwele shanko mo abula nubenye muri bantu babi muri bagunda bani tamuna kosha ningo kukulukire no pufale sana simwa mpinde kalai gano kasula pufale sa twenda olya utwele shase atu anana kutulola ko busoka. Aurait-on donc négligé le peuple pygmée? Aurait-on sous-estimé ses pouvoirs, ses savoirs et ses savoir-faire? Allons donc visiter un peu quelques-unes de ses capacités. C'est à partir de ces fruits que le rat de Gambie viendra maintenant ronger. Alors, on prend la gâchette, c'est ça la gâchette. Lorsque ça aura maintenant tendance de soutirer ou de retirer le fruit se trouvant dedans, la gâchette va glisser et l'animal sera attrapé. L'écureuil, le singe et consort. Ça vient. Arrivez ici. Lorsque ça voit le trou, le passage, ça fera pénétrer la tête. La corde ici se relie avec la gâchette ici. Vous voyez? Alors ça va bouger. Et lorsque ça bouge, voilà, l'animal est attrapé. Et au niveau du cou. Donc, celui-ci donne la chenille, et la chenille, après avoir connu des transformations, revient encore à l'insecte. La liste des savoirs et savoir-faire serait longue à énumérer. Citons par exemple les traces et marques en forêt, les techniques de chasse au filet ou à la lance, les techniques et règles de pêche collective, les méthodes d'endiguement et de gestion de l'eau par des troncs évidés, tous les savoirs de la pharmacopée, de la fabrication d'outils comme ici pour les manches de hache, toute la maîtrise des fibres végétales utiles et décoratives, une simple branche en guise d'échelle. Mais voici un exemple extraordinaire de savoir-faire. Un pont de plus de 50 mètres, fait uniquement de bambou et de bâtons de bois, suspendu par les seules lianes de la forêt. Sur ce pont, il n'y a ni vis, ni clou, ni câble, ni même une planche, et pourtant, des dizaines de personnes l'empruntent chaque jour pour échanger avec les villages voisins. Quel ingénieur des pays du Nord aurait la capacité de construire un pont pareil aujourd'hui? Deux questions se posent alors. Où est la dégradation de la forêt dans toutes ces techniques et savoirs traditionnels? Et surtout, comment ces savoirs opèrent-ils pour être conservatoires de la ressource? Comme nous le dit ici le grand-père, il était totalement interdit de mettre des produits toxiques dans l'eau pour tuer les poissons. Il fallait attraper un animal qui n'a plus d'intérêt dans le troupeau. C'est celui-là qu'on tuait et on laissait les femelles porteuses, les jeunes et les reproducteurs. Le grand-père a beaucoup d'exemples comme cela, mais Aluta a les siens aussi. Vous voyez cela, nous dit Aluta. Ce sont les fils qu'on utilisait pour nos pièges. Si l'animal s'échappait avec le fil, il pouvait s'en débarrasser, et on avait une autre chance de le prendre 3 ou 4 mois plus tard. Les fils de fer apportés par les Blancs, par contre, font beaucoup de dégâts, car l'animal n'a aucune chance, et beaucoup de pièges ne sont même pas relevés. Et c'est la même chose pour la chasse. Au lieu des lances qui laissaient une chance aux animaux, les fusils importés ont tout décimé. Nous avions une technique de chasse collective au filet. On l'étendait d'un côté, d'un autre, et des rabatteurs poussaient le gibier dedans. Comme cela, on attrapait le gibier nécessaire à toute la communauté. Les fibres du palmier nous permettent de faire énormément de choses, et entre autres des cordes que nos femmes utilisent pour porter les paniers dans leur dos. Aluta nous explique encore qu'à partir d'autres parties de cet arbre, ils savent fabriquer de bons lits. Contrairement aux pratiques actuelles d'utilisation des planches imposées par les étrangers et qui amènent la destruction abusive de leur forêt. Face à ces dérives, les habitants des villages babouloko tentent de réagir par des actions de protection de certains sites ou de certaines espèces, comme la destruction de ce filet à oiseaux, qui avait été tendu juste au-dessus d'une des rares petites clairières de forêt dans laquelle les oiseaux viennent s'abreuver. «
kwa hii pori yetu tunaikatala. Yeshua saitwa nana eh. Nana. Les communautés réagissent aussi en s'organisant. Elles ont mis en place des comités de gestion dans chacune de leurs 4 forêts et elles ont cherché des appuis pour les aider à les cartographier et les documenter. La cartographie est le point de départ incontournable de tout travail de plaidoyer et les babous locaux de Walikale le savent bien. Ils peuvent ainsi visualiser et quantifier de façon moderne ce qu'ils savent de façon visionnaire ou mystique depuis des millénaires. Ils agissent également en préservant des traditions, comme celle du rite du passage à l'âge adulte. La musique qu'on entend là-bas, c'est une musique traditionnelle, donc c'est la circoncision indigène, puisque quand un enfant il a tel âge de 18 ans, il a besoin d'aller dans la forêt pour qu'il soit instruit. Et hier, vous avez vu la cérémonie qu'on a fait, première cérémonie. C'est d'abord la rite traditionnelle au village. Avec ce rite traditionnel, vous avez vu la cérémonie des enfants, ceux qui ont déjà atteint l'âge de 18 ans et qui veulent maintenant intégrer dans la famille, dans la société. Alors, il y a des hommes qui circulent, qui chantent et qui dansent avec ces enfants pour les préparer d'aller dans la forêt. Et quand ils vont dans la forêt, maintenant, on revient, les enfants sont restés maintenant dans la forêt. Ils se sont rencontrés avec ces démons, avec cette musique que vous entendez, dont une femme ne peut pas voir ni entrer là-bas, ou bien une personne étrangère qui n'est pas de notre culture ne peut pas voir ou bien approcher les lieux où se trouvent ces enfants avec ces démons. Alors, à partir de cela, maintenant, les hommes qui sont partis accompagner les enfants, ils rentrent. L'enfant est déjà intégré dans la culture. Il se sent maintenant un homme parmi les adultes. Et maintenant, quand les hommes reviennent, les femmes maintenant les rapprochent et dansent ensemble dans la joie que les enfants qui étaient enfants, ils deviennent maintenant adultes. Et même, quand même, les femmes dansent, et quand même dans leur cœur, ils ont encore un regret. Pourquoi l'enfant que je gardais, qui m'accompagnait, qui m'aidait, il me quitte. Il va maintenant dans le groupe de son papa, il se fait adulte. Elle danse, mais quand même, dans elle, il y a un regret d'être séparé de son enfant. Et là-bas, il faut 2 mois d'instruction. 2 mois, c'est s'instruire de la culture pygmée. Et après ces 2 mois, ils reviennent maintenant au village. Et quand ils reviennent au village, il y aura des interdits. Là où ils vont laisser tout ce qu'ils ont amené dans la forêt, les habits, ils doivent déposer ça quelque part dans la rivière. Et ces matériaux qu'on dépose là-bas, c'est déjà un interdit pour cette rivière. Personne maintenant, aucune femme ne peut aller chercher des crabes dans la rivière. Personne ne peut aller là-bas pour pêcher. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre année où on fera la même rite, même cérémonie, et puis on autorise maintenant d'enlever ce matériel, et celui qui peut pêcher, il peut pêcher. Alors, c'est parmi les interdits pour protéger l'environnement et pour faire la conservation. Alors, c'est pourquoi la rite traditionnelle nous aide à faire la conservation à partir de cet interdit, après la circoncision indigène. Retournons avec le grand-père et les enfants. Tous sont revenus au village et discutent sous le barza, ce lieu commun de partage et d'échange pour tous les habitants. Ouais. Ya pili, mukalima mashamba, mushimalize poli. Sao ndani ya poli, njoo mafua ya mumbute iko. Ya tatu, mushipime kutia dawa kumai kwa kumaliza vitoto vya samaki na mayai.
ukasikia bumelo suka kigoni ile yenyewe anaita kakungulu lobeka. Unatia chakula nyima pondo inakulaka mule, unafikisha huko mwingine wanatokotesha wanamenya. Hatuna heritage nyingine tutabachia. Ila msisabu desturi na muendelee kunjia masomo kusudi mjue kuandika na kusoma. Sasa ni kuoneshe maana ya nyina achaka mtoto wa mumbute anakuwa na desturi bila kuhesabu. Sasa kale ndio ule shoko. Kumbolotoni. Njo oweze kushurulika na kifo. Wakati unakufa mshiwane kumungini kwa kusema nduku yangu alikombana na mtu, nduku yetu yenjo anatokana na bulozi ya kumuua. Kukufa ni kawaida sababu hii. Hii bulongo hakuna mnyata epukaka bila kuingia mauti ndani. Tate nini? Wono ulweku. Kuvota kwa walweku kwa nsulidika kumpalisa haji. Kuimbondo kutu soka tuingi kumikinga numpeku. Imbondo ina wabikucha. Ntena nkondo tena mubanga. Ntena uni ndoko. Nini? Nkola. Bunwe kubinga mugamba kashe kumbinga gwineni. Wakati huko na nduku yako mumungini usimufanishie makundulupe. Ya kumuzungulukaka na ubaya. Wana zania kama uko na muisha ule nduku yako kumbi uko na juhu awe mwenyeo. Les enfants sont très curieux et en redemandent. Alors le grand-père explique toutes les significations et leçons de vie des objets de cette école du savoir pygmée. La pirogue qui symbolise l'enfant que tu mets au monde et qui t'aidera à passer la rivière lorsque tu seras vieux. Le crochet qui te permettra d'attraper ce qui est trop loin pour ta main. Il symbolise le besoin des autres, la solidarité, la complémentarité dans la communauté. Le S en liane qui parle de la maîtrise des lieux et des distances en forêt. Et qui ramène à la maîtrise de sa vie par la sagesse des engagements que l'on prend. Tate, kusudi inashie maisha yetu kwe mzuri, tufanye nini? Kusudi maisha yenu kwe mzuri, mjue utajiri ya poli yetu. Si ya kwanza ile. Ya pili, mufate na nye masomo ya kizungu kusudi mjue kuandika na kusoma. Kama nabakia hivi, kutokusoma yetu sheba mbute njoma na benjetu walituzarao. Na wewe fanya nguvu. Usisahau desturi yetu sawa hii. Sababu ile ndio desturi yetu ya Kirega. Na usisahau masomo ya kizungu. Kusudi uyue na kusoma na kuandika. Sababu kisha kusoma hakuna mwenye atakudanganya tena na wewe na wewe unaisha kuwa mwenye akili. Garder sa culture tout en se développant. C'est peut-être la clé pour une conservation de la nature intelligente, qui ne se préoccupe pas seulement de biodiversité, mais qui démontre que les savoirs, savoir-faire, pratiques et croyances des peuples sont des éléments cruciaux de réussite durable. À charge pour le monde dit expert de la conservation de les reconnaître une bonne fois et légalement. Une vie plus que difficile ? Oui. Personne ne peut nier que les peuples autochtones pygmées d'Afrique centrale ont la vie dure. Plus encore que la souffrance physique due à l'isolement et le manque d'outils et de confort, c'est le dénigrement et la marginalisation, voire l'oubli ou la persécution, qui les affectent. Ils ont pourtant démontré depuis longtemps que leur mode de vie fait la conservation, et se priver de leur capacité dans les luttes pour la sauvegarde des ressources naturelles de la planète est une erreur à corriger au plus vite. Cette danse de la chasse à l'éléphant est emblématique du malaise actuel. Courage et magie permettaient de tuer un animal qui allait nourrir toute une communauté pendant de longs mois. Aujourd'hui, ce sont les armes automatiques, les hélicoptères et l'argent qui déciment les éléphants. Oui, les peuples autochtones pygmées sont tiraillés, et depuis longtemps, entre deux mondes. Ne pas abandonner leur conception spirituelle de cet être vivant qu'est la forêt, mais aussi accéder à l'amélioration de leur quotidien auquel ils ont droit. La conciliation des deux est possible. Ils le savent et ils mettent toute leur énergie dans la lutte pour leur droit à la terre, à la gouvernance et à la gestion de leurs espaces de vie ancestraux. Gageons qu'avec un peu de lucidité et de compassion, on leur reconnaisse ces droits et que l'on donne ainsi une chance de plus à la gigabiodiversité de la RDC de perdurer.